Wesh les potos, bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Swakulo Mike. Et aujourd'hui je vais vous présenter un glitch sur Call of Duty Black Ops 3 en mode zombie sur la map Shadow of Evil. Donc c'est un glitch qui a déjà été trouvé auparavant mais qui avait été patché. Donc je tiens à faire une grosse dédicace à celui qui l'avait trouvé parce que c'est un français. Donc je fais une dédicace orale, il le mérite. Il s'appelle S10PX, donc je mettrai un lien dans la description de cette vidéo. Donc n'hésitez pas à aller voir sa chaîne. Mettez un petit hashtag SoCoolMec dans ses vidéos à lui pour qu'il sache que vous venez de ma part. Donc merci à tous ceux qui le feront. Alors ce glitch a été patché. Donc le glitch c'était de venir sur la boîte ici avec en fait le bouclier, la propulsion du bouclier. Et il a été patché. Donc là je tiens à faire une grosse dédicace à Samoud87, un poteau à moi, qui a trouvé un after patch et qui bien sûr ne se fait pas citer dans aucune des vidéos, que ce soit américaine ou autre. C'est vraiment dommage. Donc moi je tiens vraiment à faire une grosse dédicace à cette personne car c'est lui qui a trouvé l'after patch. S10PX a trouvé l'astuce, enfin le glitch, et Sam87 vient de trouver l'after patch. Donc grosse dédicace à lui, je mettrai son lien en description de cette vidéo. N'hésitez surtout pas à aller voir sa chaîne YouTube, à vous abonner si c'est pas déjà fait. C'est un joueur de zombies, il fait beaucoup de glitch. Il est sur Xbox, donc pour tous ceux qui sont sur Xbox, ça pourrait sûrement vous intéresser. Donc voilà, je vous invite vraiment à aller voir sa chaîne. Donc merci à tous ceux qui le feront. Alors maintenant on va passer au glitch. Donc le glitch consiste à être invincible, à pouvoir ramasser les bonus que les zombies laissent tomber. Bien sûr, à certaines conditions, les zombies pile-up, vous allez pouvoir faire ce glitch en solo et en multi. À 4, je sais pas, mais il y a sûrement moyen. Vous allez pouvoir faire des manches en illimité. Vous allez pouvoir, il est franchement, il est très facile à réaliser. Vous allez pouvoir aussi faire des liquides en illimité, comme on dit manche illimité, ben, ça fait liquide divinium en illimité aussi. Faut le savoir que. À la 7ème manche, vous pouvez déjà gagner un liquide. Et puis après, c'est à la manche 14, 24, 34, etc. Tous les paliers de 10. Donc voilà, faut le savoir. Alors, le glitch est très facile. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est de vous équiper de grosses batteuses. Hein, donc la Dredge ou la BRM. Et de mettre la double amélioration. Pourquoi? Parce que quand vous allez prendre au fourneau, donc ne mettez pas deux au fourneau, ça ne sert à rien. Il faut mettre un au fourneau, un feu d'artifice ou un autre, hein, électricité, je sais pas quoi. Comme ça, vous allez tirer à peine 3 balles et en fait, tout le tas de zombies qui auront pile-up devant vous vont tous mourir instantanément. Donc ça permet d'économiser un maximum de munitions. Bon, après, c'est pas obligé, vous pouvez toujours utiliser le gobble gum dolus bonus ou le gobble gum munitions, cachotterie ou plein de gobble gum qui vous permettent d'avoir des munitions. Donc voilà. Alors le glitch, pour faire le glitch, il vous faudra absolument le pistolet laser et il ne faudra surtout pas casser cette boîte. Donc voilà, après c'est tout simple, vous devez prendre votre pistolet laser, venir genre ici, donc là où je suis. Vous descendez, vous sprintez, vous faites une glissade, juste avant de tomber dans le vide, vous sautez, vous vous retournez et vous tirez avec votre laser. Donc je sais pas si je vais y arriver du premier coup, mais je vais pas mettre 10 essais pour y arriver. Ne vous tracassez pas, regardez, hop, je glisse, je me retourne et je tire. Donc là j'ai un peu fail, on va recommencer. C'est vraiment très facile, il faut juste suivre les étapes. Courir, glisser, se retourner, sauter et tirer. Bon après il faut régler avec le joystick droite la sensibilité, moi je suis au max parce que je me force à m'habituer au max. Donc voilà. Donc là j'ai glissé un peu trop tôt, donc un peu de concentration. Non, presque. Ce serait bien que je me dépêche un peu avant. Bah, de toute façon je vais tuer la luciole, elle va me donner des munitions. Parfait, elle m'en donne pas, MDR, sous ma tête ou quoi? En fait, j'aurais bien voulu les munitions car les arnies sont fort utiles. Et justement, bah, je les avais, les arnies. Et bah, voilà, maintenant, je saurais pas les prendre, fait chier, dommage. C'est pas grave, hop, voilà, regardez, vous avez vu? C'est pour ça que je voulais tuer la luciole avant pour qu'elle me donne une munition, mais elle a pas voulu. Bref, donc, vous avez vu, j'ai couru, j'ai glissé, je me suis retourné, j'ai sauté, je me suis retourné et j'ai tiré. Donc voilà, c'est absolument impératif de vous mettre, d'avoir le pistolet laser. Donc voilà, là le glitch il est réalisé, donc tous les zombies vont pile-up devant moi. Mais vous allez me dire qu'on ne peut pas récupérer les munitions, les bonus. Ah ouais, normal parce qu'ils sont devant vous. Donc pour faire ça,
pour que les zombies viennent en dessous de vous et pas là en face de moi, eh ben il suffit juste donc vous accroupir. Enfin moi je m'accroupis pour pas trop tomber. J'avance on va dire un peu au bord. Voilà, là on va dire que je suis bien au bord. Hein. Et regardez, les zombies vont tous pile up en dessous de moi. Donc en fait, pourquoi je voulais les arnies? Parce qu'en fait les arnies sont très très bien, elles sont très efficaces contre les raps. Parce qu'il faut savoir que les raps peuvent vous tuer. C'est les seuls trucs qui peuvent vous tuer. Le margois, vous êtes invincible. Vous êtes invincible contre tout, sauf contre les raps. Donc quand vous avez des arnies, même améliorées, hein, vous pouvez aller les améliorer et tout ça. Donc si vous les avez à 3 ou à 4, bah, franchement vous ne risquez rien pendant la manche des raps. Parce que vous avez juste à lancer un après l'autre vos arnies. Donc ça c'est assez efficace. Donc regardez, ils pilotent tous devant moi, hein, c'est un truc de fou. Après si vous voulez avoir ceux du dessous, vous pouvez vous redécaler, genre ici. Et regardez, ils restent près de vous. Donc voilà, ils vont tout le temps pilote là. Là on peut déjà commencer à les tuer. Regardez, là il y a une Gatling, je vais la ramasser. Voilà, tout simplement. Franchement, c'est vraiment un glitch épique. Parce que grâce à ce glitch, vous allez pouvoir faire des manches en illimité, des clés en illimité, des XP en illimité. Tout ce que vous voulez, les potos, tout ce que vous voulez. C'est vraiment un glitch épique. Donc voilà, alors le margois ne vous tuera pas. Il restera pile plat en fait. Juste là, il ouvrira ses yeux. Vous pourrez le tuer. Petit à petit, vous pourrez le tuer. Si vous avez des arnies, vous pouvez le faire avancer. C'est ça qui est super bien aussi parce que... Si vous en fait vous allez pas voir, vous allez voir deux yeux sur trois en fait. Donc après j'ai pas testé à lui péter, essayer de lui péter plus. Mais bon voilà. Donc je pense que j'ai tout dit, hein, j'ai fait le tour. Donc j'espère que ce glitch vous aura plu. Donc je vous invite vraiment à exploser la barre de like, ça me ferait extrêmement plaisir. N'hésitez pas à commenter pour me dire si vous trouvez ce glitch épique ou pas. Personnellement, je le trouve vraiment vraiment épique. Donc là il a pas spawn là, donc il a spawn là, ok, donc le margois il a spawn là, donc là c'est pas mal du tout parce que là on peut voir ses trois yeux. Donc là franchement c'est quand même épique. Hein. Donc voilà, n'hésitez, oui il faut aussi tuer les lucioles parce que bien sûr elles savent vous tuer aussi, mais bon hein, les lucioles font pas trop de dégâts non plus. Donc voilà, je tiens aussi à vous demander de partager un maximum ce glitch. Pour que tout le monde puisse en profiter avant qu'il le patch. Si bien sûr il le patch, hein. Je sais pas s'ils vont le patcher, bah c'est sûrement que oui parce que c'est vraiment un glitch assez épique. Donc partagez-le un maximum avant qu'il soit patché parce qu'à mon avis il va pas rester très longtemps. Hein. Et surtout ça m'aidera à évoluer sur YouTube si vous partagez ma chaîne YouTube. Et plus vous allez partager ma chaîne YouTube, plus ça va me donner de l'argent et bien sûr la YouTube monnaie. Et plus j'aurai de la YouTube monnaie, plus je pourrai investir et faire du meilleur matos, du meilleur travail. Donc là, je pourrais pas prendre le munition max, apparemment. Ouais, j'ai dû tomber pour le prendre. Donc c'est pas grave, je vais vite le refaire. Regardez, on va le refaire en 2-2. Vous avez vu, c'est vraiment facile. Donc c'est vraiment, vous êtes en pénurie de munitions. Vous allez vous descendez ou vous faites même la bonbonnière. Franchement, allez, c'est facile. Hein. Quand vous l'avez fait 2-3 fois, c'est assez facile. Donc là, pour quand ils sont en dessus, vous vous abaissez, vous vous mettez au bord ici et regardez, ils vont revenir là. Donc là, quand ils ont détecté que vous étiez là, vous pouvez vous remettre ici et regardez, ils vont tous se pilote là en bas. Donc voilà, donc je disais que plus j'allais évoluer sur YouTube, plus j'améliorerai mon travail, effectivement, parce que ça me donnera plus de motivation hein, à faire du meilleur travail etc. Donc n'hésitez surtout pas à partager un maximum ma chaîne YouTube, à parler de moi à vos potes hein, si jamais il y a des potes qui seraient intéressés, qui parlent des glitches, par des tutos. Je suis vraiment un peu varié, je suis vraiment varié mais je touche que aux zombies on va dire hein. C'est principalement du zombie, après je fais quelques autres jeux de temps en temps quand j'ai le temps ou quand j'ai l'envie. Donc voilà. Et surtout abonnez-vous si c'est pas déjà fait les potos, abonnez-vous. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura fait plaisir. Moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos les potos. Allez ciao, peace.